Ah, bah parfait, tu tombes à pic. Non. Quoi, comment ça, non? Non. Mais si, j'ai une nouvelle mission pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de mission. Quoi, comment ça, il n'y a pas de mission? Aujourd'hui, il n'y a pas de mission. Comment ça, il n'y a pas de mission aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de mission, ça fait 3 fois que je le dis. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la phrase « Aujourd'hui, il n'y a pas de mission » ? Ah ouais ? Et alors pourquoi il n'y a pas de mission ? Parce que j'ai prévu autre chose. Et depuis quand c'est toi qui donnes les ordres ici ? Quand je te dis qu'il y a une mission, c'est qu'il y a une mission. Point barre. Bon, suis-moi voir avec ta caméra. Vas-y, viens, 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 viens. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? C'est pas possible, c'est pas possible. Ne me quitte pas les yeux, oiseau. Ça va aller très vite. Maintenant, oiseau, tu vas m'écouter attentivement. Quand je te dis que j'ai prévu un truc, c'est que j'ai prévu un truc, d'accord? Alors maintenant, tu vas me laisser faire et tu verras que tu en sortiras que satisfait. Attention, je vais lancer la vidéo. La lance pas trop loin. Si, si. Okay. C'est bon? T'es bon? On peut y aller? Okay. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode Geocaching, le numéro 127. J'ai trouvé un chien, regardez, voilà. Il n'est pas à donner, encore moins à vendre. Je le garde, même s'il fait beaucoup de bruit. Voilà. Mais du coup, si je me retrouve aujourd'hui avec ce chien, c'est que ce n'est pas sans raison, hein, c'est pas du pur hasard. Puisqu'aujourd'hui, je me retrouve avec... Bonjour, c'est Santo. Voilà, je me retrouve avec Santo, c'est l'un de mes abonnés, du coup, qui me suit depuis un bon moment. Depuis combien de temps? Bien longtemps, et quand on est à mon compas, c'est pour ça que je peux te répondre. Ah, ça c'est gentil. Donc du coup, on va partir aujourd'hui ensemble pour cet épisode, puisque tu es venu de très loin, il me semble. De très loin, de 3h30 de route. Est-ce que j'ai le droit de citer le lieu? Bah bien évidemment. Un peu de pub pour la Suisse. Ah, de Suisse. Oh là, mais de Suisse quoi. Ouais. Mais un jour, vous allez venir me dire je viens d'une autre planète et j'ai juste fait le déplacement rien que pour toi. Ben, c'est tout ce que je te souhaite. Que t'aies des gens qui viennent de partout. Oh là là, ça c'est gentil. D'autres galaxies. Waouh, carrément. Ça part dans la SF. Ok, bah écoute, j'espère que tu es prêt et on n'a pas le droit à l'échec parce qu'en plus là on est à deux. À la pression. Voilà, on est à deux et on est avec un chien qui est en train de ramonner. Et puis, bah c'est parti, let's go. Ah, t'es vraiment parti en fait. Voilà, donc on te suit. Donc la cache serait dans cet environnement là. J'ai l'impression de faire un reportage. Ouais, c'est cool. Bienvenue dans cette nouvelle chevauchée sauvage. Donc du coup il fait très très chaud, il doit faire dans les 35 degrés, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on sort de la douche, mais en fait pas du tout. 35 degrés à l'ombre. À l'ombre ? 35 degrés à l'ombre, ouais. Vous rendez compte ? Vous rendez-vous compte ? Du coup, est-ce qu'on a des informations sur la cache, un petit peu ? Réponds quand on te parle. Okay, vas-y, voilà. Dis-nous tout. Oh là, j'ai moyen de te faire parler. Ok. Du coup, est-ce qu'on a des infos sur la cache? Certainement, moi pas, perso. C'est pour ça que je me tourne vers Beeper. Vers moi? Tout ce que je sais, c'est que c'est quelque part là, voilà, autour de nous. Non, l'environnement ressemble un petit peu ouais, à une clairière, hein, un truc comme ça. Hein. Donc la cache serait peut-être arboricole. Mais du coup, ouais, on n'a pas d'autres informations. Mais je pense qu'il faut consulter quelque chose, hein. L'indice ou la carte, parce que là, on va mettre du temps, hein, honnêtement. On va consulter un médecin après cette recherche, et un psy peut-être. Ouais, bon. Ah, le psy, c'est pour moi, ça. Une petite difficulté 2, terrain 2. Taux de réussite, moins 2. Moins 2 ? Okay. Taux de réussite, moins 2. Ouais, et du coup, elle serait par où, selon toi? Ce serait d'où? Dans un tronc, à une branche? Je pense à une branche. Si on se réfère un peu à un style des caches précédentes de la même série, le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal d'arbres. Ah bah oui. Et
j'allure potentielle qui prépare potentiellement. Ouais, on a affaire ici. Bon, j'espère qu'il te reste assez de rush, de temps pour filmer tout ça. Bah bien sûr. Ou alors tu me mettras en accéléré, comme notre bon vieil ami Géo Trouve-Nous. Ah, faut que je coupe. Oh là là, censure. Bah du coup, ouais, moi je vais aller regarder par là-bas, où il y a le sort de... Ouais, il y a que des arbres, hein, donc ouais, le sol, bon bah... Ok. Mais à mon avis, je pense que t'auras pas beaucoup de résultats. Ah, y'a rien par là. Hein. Oh, mais si, regarde! Oh, j'étais juste devant! Regarde! Mais oui! Oh, punaise! Ah, ça fait deux fois maintenant! Oui, on l'a refait. On coupe. Non, tout naturel. Oh, purée! Mais je suis passé juste devant, je me suis arrêté à ce tronc, mais ça se trouve, je l'ai filmé. Hein. Bah, tu regarderas dans les rushs. Ah, ouais, il est juste là, à la hauteur en fait. Moi, ça devrait pas être plus haut que. Pas de zoom, viens. Ok. T'as de la pression là parce que là tu sais que tout le monde va te regarder en train de loguer. J'ai surtout peur de faire une faute d'orthographe sur mon propre pseudo. Ah ouais. T'imagines. Et voilà. Ah bah voilà. C'est okay. La partie la plus facile au final. Ok, donc là du coup, comme l'aventure a été très rapide, moi je te propose qu'on se fasse une petite série de caches. On va monter à 3 et puis voir ce qu'il en sera quoi. Oui, ça joue en étroit, ça joue. Bah voilà, une cache chacun. Punaise. Je déteins vraiment sur ma communauté à ce point? Non, mais tu sais que je suis comme ça. C'est un pack, un pot, t'as 8 chenilles, et puis il y a déjà la nourriture dedans, puis après elles grandissent, elles évoluent, elles montent au haut du pot, ouais. Une sorte de papier en haut, puis après elles s'accrochent, et puis elles commencent à faire leur cocon, et puis ouais, au bout de, enfin, depuis le début, quand tu les reçois jusqu'à ce qu'elles deviennent papillons, il y a quoi, 2-3 semaines. 2-3 semaines seulement. On a fait ça avec les élèves, et puis ils ont adoré. D'accord. C'est cool. Ah voilà, il est là le papillon, tu vois, c'est celui-là. C'est celui-là. Il arrive à toi. Ok, du coup, après cette explication sur les cocons qui deviennent des papillons ou des chenilles. Oh là. Faire pas le nord, hein. Non, mais je vous dirais que. Je dirais que c'est. Plutôt par là-bas? Ouais. D'accord. Bien que le chien soit parti, les chaussettes de la duchesse sont son chien de. Ah, je sais plus. Non, ne dis rien, ne tente rien. Oh là là. Oh là là. Donc c'est quoi d'après la carte, on y serait, c'est ça? Ouais, d'après un peu le... Tu veux que je te laisse un peu chercher ou pas? Ou je fais le limier, comme d'hab? Non, je pense le limier. Le limier. Limier, du verbe limier. Non, c'est un chien qui est connu pour chercher. Et trouver. J'ai un grand doute. La durée de cet épisode dépendra de toi. Hein. La durée de cet épisode dépassera nos attentes. C'est ça. Punaise, mais lui, il sort de n'importe où, quoi. Il nous surprend à chaque fois. Ils sont plusieurs, en fait. Ah, d'accord. Donc vous l'aurez compris, on est sur la deuxième cache sur 3. Voilà, on a décidé d'en faire 3 avec vous. Donc espérons qu'on soit à la hauteur malgré cette haute chaleur. En plus, je fais des rimes. Tu t'es perdu?
Ah, tu fais exprès de tirer en longueur parce qu'on est à l'ombre, hein, c'est ça? Exactement. Ah, bah voilà. Mais c'est quoi? Tu as vérifié la position du coup? Ouais. Et c'est par là? C'est par là. D'accord. Avec une incertitude de 1000 mètres. On est pas mal là. Une incertitude de 1000 mètres. Oh, oh, oh. Alors là? Non, là on est pas mal, là on est à 4 mètres. 4 mètres, ok. 4 mètres. Donc, toi tu fais un peu du bruit, hein? Mais on va la trouver, ne t'en fais pas. Quoi, pas par hasard? Bah si, souvent on trouve par hasard, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément. C'est pas où on cherchait vraiment que on la trouve, mais juste en passant à côté, c'est pas un coup de regard. Là après tu vois, il y a pas mal d'herbes écrasées, donc je me demande si c'est... Attends. Attends. Ouais, mais il y a des fils d'araignée là, c'est carrément des câbles. Je sais pas, il y a un truc là. Ouais, c'est un caillou. Les cailloux poussent dans les arbres. Non, c'est pas la cache, hein. Voilà, déception. Je sais pas, j'avais ça dans l'arbre, ça pousse sur les arbres, c'est des cailloux. Voilà, tout va bien. Non, okay. Alors je pense que ça peut être ouais à hauteur des yeux, je dirais. Ou alors au milieu d'un multi-arbre, par exemple. Okay. C'est ce que je pense. Hein. Ah, il y a quelque chose là peut-être. T'as trouvé? Je sais pas, viens voir. Ah, ah. Là, il y a des troncs. Ah. Attends, Jacques Dutronc ou Alain Souchon, faut savoir. Hein. Je préfère Alain Souchon. Peut-être. Alain Souchon, t'as trouvé là, ok. Une sentimentale. J'ai tué la suite. Il a trouvé, regarde. Ah, vas-y, soulève, on va voir si c'est bon. Ah. T'as trouvé? Ouais. Ah, c'est un bocal. On dit une belle cale, si jamais. Une belle cale. Oh purée, il y a une araignée. Oh regarde. Attends, je vois pas, c'est flou. Attends, bouge pas. Ah, quelle horreur. C'est le moment de tester ton courage. Je vais cacher. Écoute, je signe là. Vas-y, vas-y. Bah tant que c'est sur le logbook et que ça empiète pas un autre... Ah bah, c'est sur ma jambe. Le gars qui ne sait même pas. Ok, du coup, on n'est absolument pas en train de mourir de chaud. On vient de finir la deuxième cache et encore une. Comment tu le sens pour l'instant? Ça va? C'est mitigé ou... Ça va. Ok, ça va. D'accord. Genre, bah, on n'abandonne pas. Bah non, bah faut pas. Surtout à deux. Bah ouais, et encore moins par 35 degrés. 35 degrés? Bah j'abandonne. Bon, bah moi je repars par là-bas alors, hein, espère. Attends, j'ai le chien juste en dessous de moi. Là, c'est très dangereux. On va pas réussir à tenir le coup. La prochaine fois, je ferai un épisode à la banquise. Comme ça, tout le monde serait content. Et moi en premier. Ok, on a enfin... Attends, je sais plus ce que je dis. Ok, on est enfin arrivé au bout de notre périple. Donc là, on est à la dernière cache, au dernier spot. Mmh. Voilà, donc j'espère qu'on va la trouver facilement et rapidement, comme beaucoup de logs le disent.
Et que bah qu'après on pourra se mettre vite au frais quoi. Yes. Voilà. C'est parti. C'est une micro ? Oui. Waouh, pour bien finir. Ouais. Nickel. On voit que t'as appris beaucoup de moi, hein, dis donc. Ah là là, ça fait plaisir à voir. Oui, grand maître. Je dirais même plus au grand gourou. Ah non. Hashtag je trouve nous. Non. Oui, fallait suivre les lives, les gens, hein, si vous voulez comprendre. Quoi? Tu sais quoi? Le stylo? Ouais. Non, ça prendra pas. Ouais. Ça ne prendra pas. Non. Je la remets toujours, dans cette poche. Arrête de mimiter, tu serais pas en train de m'imiter là. Non, hein. Je te jure. Ah purée. Voilà, voilà. Il m'imite mal, hein, n'est-ce pas, hein. Non, parce que toi tu fais genre... Non, si, je l'ai. Mais moi je l'ai pas. Oh, on voit que toi tu as jamais perdu ton stylo dans une rivière. Non. Hein. Moi ça aurait pas déplu de le perdre dans une rivière. J'aurais pu mettre le chien à l'eau. Oui. Bon, alors tu vas mettre un petit documentaire le temps que j'aille rechercher le stylo. Quoi? Non, tu l'as laissé là-bas? Ben je pense, c'est mon chemin. Oh non. Ça, voilà. C'est quelque chose qui va te suivre. Ouais, il va falloir... Ça, pour m'avoir imité, j'espère que ça va te suivre. Je l'ai pas imité, c'est que vraiment... Bon. Et tu me laisses combien de temps? 30 secondes. Oh purée. Non, un peu plus. 31. Bon, je le prends. Bon, ok, je vous explique ce qui vient de se passer. Santo a oublié son stylo. Sur l'autre cache. Bah du coup là il est allé partir au galop j'espère. Ah non il marche. Pour récupérer son stylo. Donc voilà. Donc c'est quoi le pire? Perdre un stylo durant une série de caches ou ne pas du tout l'emmener? Ou encore le perdre dans une rivière? Quel est le pire? Hein? Voilà. Bon. Je sais pas où il est parti, il a peut-être déserté. Ça fait un moment que j'attends. La cache précédente se trouve à peu près à, je dirais, une 200aine de mètres d'ici. Je me sens seul d'un coup. Je me sens abandonné. Je suis déserté. Oh mon Dieu. Alors, tu l'as trouvé? Ouais. Tu filmes? Non. Non, juste, je veux que tu filmes, parce que je vais expliquer quelque chose. Pourquoi? Tu filmes? Non, non. Ok, si tu filmes, tant mieux. Bah oui. Alors, j'ai hésité entre... inventer un truc ou dire la vérité. Donc, rappel des faits. C'est où? C'est un peu plus loin, ouais, la cache. En arrivant, j'étais tout content de trouver la cache. J'étais là, ouais, donc j'ai l'habitude de donc, sortir le stylo que je trouve pas. Je cherche, je trouve pas. Je dis bon, bah, elle doit être à l'autre cache, ça m'arrive à chaque fois. Je retourne jusqu'à l'autre cache qui est à 2000 km. J'arrive sur place, déjà, je trouve le crayon de la cache précédente que j'avais pas bien rangé, donc que j'ai rangé. Voilà, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Ensuite, bah, je trouve pas mon stylo. Je regarde encore sur le chemin, je trouve pas. Je regarde encore dans mes poches, je trouve pas. Je regarde dans mon sac, il est dans mon sac. Ben voilà, je l'avais dit hein. Tu l'avais dit? Je l'avais dit. Bah si, je t'ai dit regarde dans ton sac, toi, tu me fais oui, ben j'ai déjà vérifié, il n'y a pas dedans. Non. Et après t'es parti comme une furie là-bas. Ouais, je pense. Non mais je te jure. Bah voilà, moi ça fait un truc original. Mais ce truc, je me rappelle pas de l'avoir mis dans mon sac. Tu vois. Donc du coup, on refait la mise en scène. Il y a pas de mise en scène avec moi. Okay. Il y a pas de mise. C'est vrai. Bon signe. Ah c'est joli ça, c'est clair tout ça. C'est toi? C'est vraiment la rue d'amour, hein. Flower. Si on t'entend, vas-y, dis-le. Ayez toujours deux stylos sur vous.
Toujours deux, ouais. Deux, si ce n'est trois. Ouais, et si ton pouls est trois à l'eau, bah... qu'est-ce qu'on fait ? Changez d'activité et reconvertissez-vous en... écrivez en commentaire des idées. Ah, voilà. Non, non. J'ai froid. L'enregistre. Bon, ben voilà, s'achève cet épisode et aussi cette journée pour nous. Voilà, ben en dehors de ces trois caches, nous avons, ben, on en a fait beaucoup plus. Hein. Du coup, ben, on a fait l'outro ici maintenant. Voilà. Donc Santo, comment a été ta journée avec toi, ton ressenti Est-ce que tu as été satisfait? Oui, je me suis dépensé, je me suis diverti et j'ai reçu autant que j'ai donné. Mais alors, on a tellement donné, regardez le résultat. Voilà. Mais c'était top. Ça valait le coup. Hein. Le coup, le déplacement. Et ah, tout. Donc un grand merci. Ah bah c'est gentil. Bah merci à toi surtout d'être venu. Hein. Bah c'est normal. Attends, depuis la Suisse. Et quoi. Surtout depuis le temps que je disais que je voulais venir. Ah bah voilà, bah maintenant c'est fait. Hein. Ouais. Ne jamais contrarier un Suisse. Hein, parce qu'ils disent tout, ils font toujours ce qu'ils disent. Hein. Non mais voilà, c'était sympa. Et puis comme dit, quand on rencontre sa communauté, ses membres, c'est toujours bah, flatteur et à la fois bah, ça reste en mémoire quoi, parce que oui. c'est étonnant de se dire bah, ils font tant de distance juste pour passer une journée quoi, avec la personne quoi. C'est toujours impressionnant. Mm-hmm. Et ça j'ai apprécié. Ouais, cool. Bon bah même rituel hein, comme d'habitude hein. On se retrouvera dans le prochain épisode, le 128, et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses que vous ne voudriez pas que Beeper vous fasse. Ok, d'accord. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Non plus. Ne vous faites pas aux autres. Ne faites pas des choses que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Bah voilà. Oui. Tu pouvais pas le dire. Il ronfle là par contre. Voilà. Là, il ronfle les yeux ouverts. Là, ça fait encore plus peur. Comment on dit, somnambule. Il fait le cochon. Tu pourras même rajouter des frites. Voilà. Bon bah d'ici là, tu as un dernier mot à dire? Non, merci. Et à plus. Ça fait plus d'un mot ça. Et ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse. Oui, tu l'as déjà dit. T'as... Oui, il est content, il a réussi maintenant. Il est content, il va le dire tout. Je l'ai, tu vois. Voilà, il va le dire en boucle toute la soirée maintenant. Allez. Ciao. Free.